يا رمضان يا شهر البركات، فيك النعمة يا شهر الطاعات، يا رمضان يا شهر. السلام عليكم mes frères et sœurs. Aujourd'hui nous allons parler de l'aumône de la fin du jeûne, Zakat al-Fitr, qui est une aumône sur le corps. Elle est différente de l'aumône sur le bien. Qui doit verser cette aumône? Elle est un devoir pour chaque musulman pubère et saint d'esprit, à condition qu'il ait le moyen de verser cette aumône au-delà de ses besoins et des besoins de ceux qui sont à sa charge pour le jour de la fête de la rupture et la nuit qui suit. Ainsi, le père verse la zakat pour lui-même, son épouse et ses enfants non pubères. Les personnes à charge. Il est du devoir de l'homme musulman de s'acquitter de la zakat de la fin du jeûne et il lui incombe également de s'acquitter de la zakat des personnes musulmanes qui sont à sa charge, sont considérées par la loi révélée par Dieu. Comme personne à la charge de l'homme, son épouse, ses enfants qui ne sont pas pubères, ses ascendants pauvres tels que ses parents pauvres ou ses grands-parents pauvres, il est à noter que le père n'a pas pour devoir de s'acquitter de la zakat de ses enfants pubères, mais s'il veut le faire, il leur demande l'autorisation, et concernant les filles pubères non mariées, les avis des savants divergent. En quoi consiste cette aumône? Cette aumône consiste à faire don d'une quantité appelée sa, de la nourriture de base. Le sa à considérer est celui du prophète. Le sa se mesure grâce à une autre unité de mesure connue dans l'islam appelée le moud. C'est le plan de deux mains joints d'un homme de taille moyenne. Un sa est égal à 4 moud. S'acquitter de l'aumône de la fin du jeûne, c'est faire don d'un sa de la nourriture de base la plus répandue du pays, le blé en France, en ayant l'intention d'accomplir cet acte d'adoration. En ce qui concerne la contrepartie en monnaie, selon l'imam Abu Hanifa, il est valable de donner sa contrepartie en monnaie. De nos jours, la valeur de l'aumône obligatoire de la fin du jeûne, Zakat al-Fitr, est inférieure à 5 euros. Si on donne un montant supérieur à la valeur exacte de la Zakat, on fait l'intention de donner ce qui est en plus en aumône. À qui donner la zakat? Il est valable également de donner procuration à une personne digne de confiance, selon les critères de la loi musulmane, afin de la faire parvenir à l'une des 8 catégories d'ayant droit définies dans le Coran. On ne verse pas la zakat pour une œuvre de bienfaisance, pour un projet de construction par exemple, mais à des personnes musulmanes appartenant à l'une des catégories citées dans le Coran. Parmi ceux-là, il y a le pauvre ou le nécessiteux musulman qui sont en droit de recevoir la zakat. Quand verser cette zakat? Il est un devoir de s'acquitter de cette aumône ou zakat relative au corps avant le coucher du soleil du jour de la fête et il est interdit de la retarder sans excuse. Il est possible de la donner à partir du début de Ramadan. Et la sunna, c'est de la donner avant la prière de la fête qui a lieu la matinée du jour de la fête. Que Allah agrée notre jeûne, mes frères et sœurs, et nous accorde la compréhension de la religion. Car certes, celui pour qui Allah veut le bien, il lui facilite l'apprentissage de la religion. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum.